Bonjour. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Je suis très heureuse et émue même de voir des copains et copines avec lesquels j'ai milité depuis des années et qui sont encore là. Je suis très heureuse et très émue de voir aussi toutes les nouvelles têtes qui nous rejoignent. Alors, je suis là. Je ne me rase pas tous les matins. Et quand j'étais petite fille, j'avais des rêves très différents de celui de faire une primaire des écologistes. Mais je suis là parce que aujourd'hui, c'est nécessaire. Des mouvements sociétaux aussi puissants, aussi mondiaux qu'ils puissent être, ne peuvent pas transformer le monde juste à coup de hashtag. Angèle nous disait. Et ça pourrait peut-être changer. Eh bien, tout ce qu'il y avait derrière ces mouvements et derrière ces hashtags, partout, c'était la même question. La question du pouvoir. La question de la manière dont on exerce le pouvoir. Eh bien, je vous le dis aujourd'hui, Angèle s'interrogeait pour savoir si cela peut changer. Je vous le dis. Oui, les temps changent. Alors, il paraîtrait que je n'ai pas la carrure. Alors, c'est vrai, je mesure 1,55 m. Je suis menue, j'ai des cheveux gris, j'ai pleuré à la télévision. Et en plus, je suis une femme. La question que je me pose, c'est où était et que faisait où étaient, où sont aujourd'hui tous les hommes qui nous ont dit avoir la carrure? Où sont ces hommes qui, depuis 1970 et le printemps silencieux de Rachel Carson, depuis le rapport Meadows, le rapport Brundtland, depuis le sommet de la Terre, les COP et les GIEC, à chaque fois, à chaque rapport, à chaque conférence, à chaque moment international, on nous dit qu'il y a une prise de position, une prise de conscience dans l'opinion publique. On nous dit que l'opinion publique est capable de changer les choses. Et tous les responsables, d'un seul mot, d'une seule voix, dans un cri du cœur, nous disent « on va changer les choses ». Et à chaque fois, le libéralisme gagne. Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus tellement dans une urgence, nous sommes déjà dans la crise. Nous sommes dans une catastrophe humaine et une catastrophe climatique. Et je vous le dis, ce que je veux aujourd'hui, c'est aller à la présidentielle avec vous. Parce que ce qu'il y a derrière la question du pouvoir, ce qu'il y a derrière la question des dominations, eh bien, c'est une révolution. Une révolution de la manière dont nous vivons ensemble,
de la manière dont nous vivons vis-à-vis de la nature, avec la nature au milieu d'elle. Et aujourd'hui, cette révolution que je vous propose de porter ensemble, elle porte un nom, et c'est un très beau nom, c'est celui de pouvoir vivre. Il est terminé le temps où nous nous pensions maîtres et possesseurs. Maîtres et possesseurs de la nature. La question qu'il y a derrière, c'est celle de la prédation. Et surtout le caractère impuni de cette prédation. Oui, aujourd'hui, tout notre système économique, tout notre système social, tout notre système sociétal est fondé sur ce triptyque. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des femmes. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des plus précaires dans la société. Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps des racisés. Nous ne voulons plus de ce système-là et c'est ça la révolution que je vous propose. Ce pouvoir vivre, c'est un pouvoir donné à nos enfants, à nos petits-enfants, de vivre sur notre planète, qui est unique, on n'en a pas de deuxième, et qui est si belle. C'est aussi le pouvoir que nous nous donnons d'y vivre en bonne santé physique évidemment, mais aussi de ne plus avoir de personnes qui craignent juste, qui craignent simplement, parce que c'est trop dur de ne pas arriver à demain. Alors oui, nous devons redonner le pouvoir de vivre. Nous devons donner le pouvoir d'être fiers de ce que nous sommes, quoi que nous soyons. Quoi que nous soyons, nous devons donner à chaque enfant la fierté de ce qu'il est, à chaque adulte la fierté de ce qu'il est. Oui, nous devons donner à chacun et chacune la capacité de changer les choses. Nous ne déciderons pas d'une transformation écologique et sociale d'ampleur. Nous ne mettrons pas en place une radicalité si nous ne donnons pas aux personnes qui vivent en France la capacité à participer à ce changement. Oui, il nous faut une réforme démocratique. Alors, je ne vais pas vous mentir, ça risque d'être un petit peu difficile. Oui, ce sera difficile d'affronter des personnes qui, de l'autre côté, sont organisées pour que le système ne change pas. Oui, ce ne sera pas simple d'affronter la FNSEA, d'affronter les chasseurs, d'affronter tout un tas de corps constitués dont finalement le but premier est le lobbying pour conserver leurs intérêts privés. Oui, ce ne sera pas facile, mais pour cela, il va nous falloir du courage politique. Et ce que je peux vous dire, c'est que du courage, j'en ai. Que je peux vous dire, c'est que de la colère, j'en suis remplie. Ce que je peux vous dire, c'est que de la radicalité, j'en suis pétrie. Et qu'il va nous falloir ces trois qualités-là pour une présidence de la République qui permettent de transformer en profondeur notre organisation économique, sociale, notre rapport à la nature et notre système sociétal. Alors, je vais commencer par vous parler de radicalité environnementale.
D'abord, la première chose, c'est qu'il nous faut assumer ce terme, la radicalité. La radicalité renvoie à racines et finalement à tout ce qui nous rend vivants, tout ce qui nous permet de grandir. Oui, nous devons remettre ce mot-là dans le débat public. Nous avons besoin de radicalité. Nous avons aussi besoin de mener, au-delà d'un ensemble de mesures, une véritable bataille culturelle pour ne pas nous laisser enfermer dans les débats d'extrême droite non-stop. L'écologie, c'est l'avenir. Nous avons une bataille culturelle à mener. Nous en sommes capables. Elle passe par les mots. La radicalité en est un. Alors, je vais vous parler du carbone. Le carbone, c'est ce qui nous met aujourd'hui le plus en danger. Le plus en danger. Ça met l'humanité complète, entière, en danger. Aujourd'hui, c'est la chose la plus gratuite qui soit. Vous pouvez émettre du carbone, c'est open bar. Il y a certes un marché de droit, un marché du carbone au niveau européen, mais les prix sont tellement faibles que de toute façon, ça ne change rien. Le carbone, aujourd'hui, est gratuit. Le carbone nous envoie dans le mur. Le carbone risque de nous faire mourir sur cette planète. Et c'est gratuit. Tout est payant dans notre système. Tout. La santé, tout. La seule chose qui serait gratuite, c'est le carbone. Eh bien, je vous propose que l'on porte une mesure, et une mesure qui soit forte. Oui, le prix du carbone doit être élevé. Oui, nous devons affirmer que le carbone, parce qu'il est dangereux, doit coûter cher et que toute émission d'une tonne de carbone doit être chère. Je propose que l'on mette en 5 ans le prix du carbone à 200 euros la tonne. Alors évidemment, les entreprises, à la fois, elles ont besoin d'un cadre assez précis et assez stable pour permettre de prendre des décisions, d'investir, etc. Mais elles ont aussi besoin de notre aide et elles ont besoin d'accompagnement pour transformer leur process de production et pour accompagner les changements qu'elles devront faire. Et bien pour cela, nous devons trouver de nouvelles ressources financières pour aider ces entreprises, pour aider les ménages aussi, évidemment. Et les ressources financières que l'on pourrait aller trouver se trouvent peut-être du côté des marchés financiers. Ces marchés financiers qui spéculent à haute fréquence, qui spéculent sur des denrées alimentaires aussi bien que sur des matières premières. Ces marchés financiers qui aujourd'hui sont absolument non régulés. Dans les batailles culturelles, je vous le dis, que l'on a perdu, il y a la régulation et la limitation de la finance. Non, nous ne pouvons pas continuer à avoir des marchés financiers qui fonctionnent de cette manière-là, sans aucun contrôle, sans aucune taxe. L'essentiel des investissements qui s'y passent nous met en danger. L'essentiel des transactions qui s'y font augmente le dérèglement climatique. Aujourd'hui, il faut l'affirmer, en Europe, nous devons réguler les marchés financiers. Et puis, je l'ai dit sur Twitter, alors ça a suscité des débats. Tax the rich. Tax the rich. Ben oui. Ben oui. Ceux qui émettent le plus de carbone aujourd'hui, ce sont les plus riches. Et par ailleurs, les plus riches se sont enrichis encore pendant la crise du Covid. Alors, si on veut protéger les plus vulnérables, si on veut protéger les plus précaires, si on veut faire un revenu d'existence, il va bien falloir nous le financer. Eh bien, pour des raisons écologiques, autant que pour des raisons sociales, oui, il nous faut l'affirmer, l'impôt est le premier vecteur de solidarité, l'impôt nous permet de faire société dans les batailles culturelles que nous avons perdues, l'utilité et l'importance de l'impôt est la seconde. Et puis, il y a l'agriculture. Alors, l'agriculture, aujourd'hui, en France, elle est victime d'un triptyque. D'abord, des espèces dominantes. Pour faire pousser ces espèces dominantes de manière intensive, eh bien, on utilise des pesticides et des engrais chimiques. Et puis, on utilise ces pesticides et ces engrais chimiques aussi pour faire baisser le prix, parce qu'aujourd'hui, l'agriculture est ouverte, mondiale, libérale, et les produits alimentaires s'échangent
sur les marchés internationaux. Et ceux qui emportent la mise sont toujours ceux qui ont le prix le moins cher, c'est-à-dire ceux qui ont utilisé le plus de pesticides et le plus d'engrais chimiques pour faire pousser les espèces dominantes dont je parlais dans la première partie. Alors, il va nous falloir diminuer, réduire, arrêter les pesticides et les engrais chimiques. Pourquoi il nous faut le faire ? Bah, pour deux raisons. La première, c'est qu'on peut indemniser un agriculteur ou une agricultrice pour des baisses de rendement, mais on ne peut pas négocier avec des vers de terre. Et pour autant, on a absolument besoin des vers de terre pour vivre. On ne peut pas vivre sans vers de terre. Et bien donc, la priorité, c'est de sortir des pesticides et des engrais chimiques. Et pour cela, il nous faut accompagner les agriculteurs. Il fait chaud, hein ? Même moi, je ne suis plus à l'ombre. Il nous faut accompagner les agriculteurs. Alors évidemment, il faut les accompagner financièrement pour les baisses de rendement qu'ils pourraient subir, mais il nous faut aussi les accompagner par de la formation. Et puis, il nous faut les accompagner aussi par des mesures économiques qui font qu'on ne peut pas procéder à un dumping environnemental sur les biens alimentaires. C'est trop grave, c'est trop dangereux pour l'humanité. Et donc, il faut imposer une taxe aux frontières de l'Europe qui permette de ne pas importer des produits chargés de pesticides souvent interdits en Europe, moins chers que ceux des agriculteurs européens et qui les mettent en danger, qui nous mettent en danger. Parce que ça, c'est la deuxième chose, c'est que les pesticides, ça donne des cancers. Les pesticides et les engrais chimiques, ça met notre santé en danger. Il y a, je crois, dans la salle, qui n'est pas une salle, je crois qu'on l'a toute faite celle-ci d'ailleurs, je crois qu'il y a dans l'assistance des parents qui se battent à Saint-Rogatien pour dénoncer les cancers pédiatriques dont leurs enfants sont victimes, alors que les mesures qui ont été faites par eux, pas par l'État, montrent des produits chimiques et notamment des pesticides interdits dans toute l'Europe dans des quantités tout à fait incroyables à proximité de leur habitation. Croyez-vous qu'il y ait eu une enquête de police ? Croyez-vous qu'il y ait eu des prises de sang régulières ? Croyez-vous qu'il y ait beaucoup d'analyses un peu partout pour essayer de comprendre d'où vient le problème et quelles sont les zones à éviter ? Eh bien, en fait, il n'y a quasiment rien eu. Et aujourd'hui, permettez-moi juste de saluer le courage de ces parents-là. Permettez-moi aussi de saluer le courage de toutes celles et tous ceux qui, partout en France, se battent pour la santé environnementale. Il s'agit de notre santé. On ne négocie pas avec. Et puis, il y a la question de l'artificialisation des sols. Alors, la France est couverte de béton. Donc, je vous propose un truc simple, c'est qu'on arrête avec la bétonisation et avec l'artificialisation des sols. Ça tombe bien ? Ça tombe bien, on a des parkings. On va pouvoir construire sur les parkings. On a plein de surfaces déjà urbanisées. Eh bien, construisons sur ces surfaces-là. Mais aujourd'hui, il nous faut rendre à la nature son droit, il nous faut rendre à la nature son pouvoir, et pour cela, il nous faut 10% de notre territoire qui soit laissé à une nature vierge, sans intervention humaine, parce que c'est ça la condition de la régénération de nos écosystèmes, autant que de notre rapport à la nature. Oui, la nature a le droit de vivre sans nous, oui, les vers de terre ont le droit d'être dans des espaces où nous ne sommes pas. C'est comme ça que nous réhabiliterons les questions environnementales auprès du plus grand nombre, c'est comme ça aussi que nous préserverons la biodiversité. Et puis évidemment, il y a l'écocide. Alors on va le dire simplement, c'est un crime aujourd'hui de polluer l'environnement. Ça ne se discute pas, ça ne se négocie pas. C'est un crime aujourd'hui de polluer l'environnement. Alors il faut que dans notre droit pénal, eh bien, nous ayons l'écocide comme un crime contre l'environnement. Et puis
la radicalité écologique, alors évidemment, je n'ai pas tout détaillé parce que je ne vais pas vous faire non plus un catalogue de mesures, mais la radicalité écologique, si on veut qu'elle soit acceptée, si on veut aussi qu'elle nous permette de redessiner une autre société plus égalitaire, plus inclusive, si on veut une radicalité écologique qui soit non seulement acceptée par chacun et chacune, mais portée, appropriée, développée, amplifiée par chacun et chacune, eh bien, il nous faut la doubler d'une radicalité sociale. Et je vais commencer par une chose. Je vais commencer par une chose dont on n'a pas tant parlé que ça depuis le début de ces journées d'été, à part dans des ateliers. C'est la question des services publics. Les services publics garantissent notre bien commun. L'éducation, ça permet à chaque enfant, où qu'il soit né, quel que soit le milieu dans lequel il est né, d'avoir accès à une éducation de qualité. La justice, ça permet à chacun et chacune d'avoir accès, d'avoir des droits et d'avoir accès à ces droits gratuitement. Les services publics, c'est aussi la santé. Et on a transformé notre santé, la prise de soins de notre santé, par une tarification à l'acte. Cette tarification à l'acte, c'est Jean Castex qui l'avait mise en œuvre. Aujourd'hui, affirmons-le, il nous faut plus de fonctionnaires. Il nous faut, je le répète parce que, il nous faut plus de fonctionnaires. Pas moins, plus. Il nous faut plus de services publics dans les territoires. Il nous faut plus de services publics de santé. Il nous faut plus de services publics autour de l'eau, de la gestion de nos ressources essentielles, un droit au logement. Oui, il nous faut redéfinir ce qui finalement avait été fait juste après la Seconde Guerre mondiale, quand autour d'un Conseil national, ils s'étaient réunis et qu'ils avaient réfléchi à cette chose-là. De quoi avons-nous absolument besoin pour vivre ? Quel que soit notre niveau de revenu et quel que soit l'endroit où on habite. À l'époque, ils avaient répondu l'électricité, ils avaient fait EDF. Ils avaient répondu le téléphone, ils avaient fait France Télécom, qui à l'époque était les PTT, la Poste, etc. Je vous le dis aujourd'hui, il faut qu'on se repose cette question. De quoi avons-nous, chacun et chacune, de quoi ont besoin les gens au-delà de la barrière verte qui encercle cet hémicycle, de quoi ont besoin ces personnes pour vivre dignement dans la société, quelle que soit leur situation financière, quel que soit leur âge et quel que soit l'endroit où ils vivent. Et puis il y a cette question de la justice. Vous savez que la justice en France est notoirement sous-financée. Alors, on critique beaucoup les décisions de justice, et moi la première, hein, sur les violences sexuelles. Mais une chose est sûre, c'est que si on veut une société écologiste, eh bien, il va nous falloir une société de justice. Et que cette société de justice, elle nécessite des moyens d'investigation, des personnels pour travailler sur les dossiers, des jugements qui soient équitables. Oui, il nous faut doubler le budget de la justice. Alors pour ça, c'est pas très compliqué, hein. Vous enlevez le CICE et puis normalement, ça passe. Alors, il nous faut aussi exister dignement. Et pour exister dignement, bah, il nous faut un revenu d'existence. Aujourd'hui, affirmons-le ici, le RSA ne permet pas de vivre dignement. Le RSA nous permet juste de nous donner bonne conscience. Il ne permet pas à des personnes de vivre correctement de ce RSA. Donc oui, il nous faut un revenu d'existence. Un revenu d'existence à 850 euros. Un revenu d'existence majoré en cas d'enfant. Oui, il nous le faut. Oui, ce sera ma première mesure en tant que présidente de la République. Alors, si vous voulez, je détaillerai comment on le finance, hein, mais je ne vais pas vous faire un cours non plus d'économie. Si vous insistez, je suis cap. Hein. Je vous propose aussi de travailler sur une autre mesure qui peut paraître révolutionnaire, mais qui en fait changera notre vie et la changera en mieux. Ça s'appelle la réduction du temps de travail.
On n'a jamais trouvé mieux. On n'a jamais trouvé mieux que la réduction du temps de travail pour partager le travail. On n'a jamais trouvé mieux que la réduction du temps de travail pour créer des emplois. On n'a jamais trouvé mieux que la réduction du temps de travail pour retrouver du sens à la vie et du sens du temps pour soi. Alors aujourd'hui, il n'y a pas d'hésitation. En sortie du Covid, on va avoir un taux de chômage énorme. Soit on veut une société avec deux catégories de personnes, ceux qui sont d'un côté de la rue et qui ont un travail, ceux qui sont de l'autre côté de la rue et qui n'oseraient pas traverser de peur de voir les autres, et qui sont des précaires, qui s'enferment de plus en plus dans la précarité et de plus en plus longtemps. Alors affirmons-le, nous ne voulons pas de ça, nous voulons d'un partage du temps de travail. Et puis, il y a cette question, l'humiliation. L'humiliation. L'humiliation vécue par des personnes quand elles subissent des contrôles au faciès, juste parce qu'elles habitent un quartier ou qu'elles ont une couleur de peau particulière. Ces contrôles au faciès, qui ont été doublés pendant le Covid d'amendes, eh bien, il faut le dire aujourd'hui, et n'en déplaise à Manuel Valls, eh bien, moi, président de la République, je les supprimerai. L'humiliation, elle est aussi pour les femmes qui, outre le fait qu'elles subissent des violences majoritairement, dès qu'on parle de femmes, ça casse l'ambiance. Ça fait du Larsen. Alors, on va parler de ces femmes qui sont humiliées par un système policier et judiciaire qui ne respecte pas les violences. Aujourd'hui, je le redis, 1% simplement des viols sont punis, sont transformés, enfin, les coupables de viols obtiennent des peines de prison. 1%, ça veut dire qu'il y en a 99% qui ne le sont jamais. Moi, présidente de la République, ça, je vous le promets vraiment, ça change. Et puis en matière d'humiliation, on peut aussi parler du développement de ces emplois partout, de ces emplois de type Uber, de ces emplois qui mettent les personnes en danger, qui n'assurent pas de protection sociale lorsqu'elles sont blessées, et ces emplois Uber qui le plus souvent ne permettent pas de dépasser le seuil de pauvreté. Alors je vais vous dire, parmi les principales mesures économiques qui ont été prises ces dernières années, parmi les plus scélérates, il y a l'ubérisation du travail. Je vous propose un truc simple, que chacun et chacune ait le droit à une protection sociale, quel que soit son statut. Ça va, vous tenez ? Alors, j'ai parlé un peu de la police. C'est pour ça que je voulais que vous applaudissiez avant, parce que... Alors, la police, en fait, dans une démocratie comme la nôtre, la police a la délégation de la violence légitime de l'État. C'est des grands termes, mais ça veut dire que c'est au nom de tous les citoyens et citoyennes de cet État qu'elle nous assure, qu'elle garantit la paix. Et je le dis aux policiers et policières qui nous écoutent, je soutiendrai l'amélioration de vos conditions de travail, mais je ne transigerai pas sur une chose, c'est que vous devez être exemplaire. Et être exemplaire, en l'occurrence, ça veut dire, par exemple, sortir l'IGPN des policiers eux-mêmes. Alors, je vais terminer parce que j'adore être avec vous, mais peut-être vous avez des questions à poser. Je vais terminer sur l'Europe en vous disant qu'aujourd'hui, l'Europe connaît une espèce de crise d'existence. Alors,
Oui, elle fait le Green New Deal. Oui, elle lance des objectifs importants en matière de transition écologique. Oui, elle assure le développement des territoires les moins développés. Mais ce qui manque à l'Europe aujourd'hui, et je pense qu'on ne peut pas parler d'Europe sans le dire, c'est un projet social, un vrai projet social, un vrai projet protecteur de tous et toutes au sein de l'Europe et une véritable harmonisation des conditions sociales des pays européens. Et pour cela, il va nous falloir monter le rapport de force avec les autres pays européens qui s'y opposent, en alliance avec les pays européens amis et qui poursuivent le même but. Oui, nous devons aller vers une Europe sociale. Nous qui sommes européistes, n'oublions jamais de dire que l'Europe n'a pas comme but uniquement de favoriser le commerce et les conditions économiques. Elle doit avant tout être protectrice, protectrice des droits humains, comme protectrice socialement. Et oui, la grande absente là de la crise afghane, celle qui n'est pas là, celle dont on cherche la voix et qu'on aimerait entendre fortement réaffirmer nos valeurs, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'ai eu honte un peu d'être française le 16 août, c'est l'Europe. L'Europe doit accueillir les Afghans et les Afghanes. Ça ne se négocie pas. Alors vous allez me dire, des promesses, on en a déjà eu beaucoup. Et puis finalement, qu'est-ce qui nous garantit que ça va passer? Qu'est-ce qui nous garantit que moi, je vais faire mieux que les autres? Je vais vous donner un indice. Cet indice, c'est que en 2016, j'ai parlé. Et que j'ai pas parlé, j'ai parlé sur les agressions sexuelles, évidemment, mais j'ai surtout parlé dans le but de faire une chose. C'est déverrouiller un système. Et 5 ans après, je pense qu'on peut le dire, le système a en partie été déverrouillé. Alors oui, il y a plein de personnes qui vont se trouver sur notre route et qui ne veulent pas spécialement que l'on change les choses. Oui, nous allons avoir affaire à des corps organisés qui seront contre nous. Eh bien, face à cela, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a finalement que 3 solutions. La première, c'est d'être ensemble. La deuxième, c'est d'être avec les citoyens et citoyennes au-delà de cela. La troisième, c'est d'avoir la volonté politique de le faire. Eh bien, je m'y engage ici. J'aurai la volonté politique de déverrouiller des systèmes d'oppression, des systèmes de domination et des systèmes qui nous mettent en danger pour l'avenir, qui nous permettent de continuer dans la trajectoire improbable du dérèglement climatique. Oui, nous devons changer. Oui, je m'engage à faire ce que j'ai fait sur les violences sexuelles, à mener les combats, à ne jamais faiblir et à y aller jusqu'au bout, quoi que ça coûte. Et quelles qu'en soient les conséquences, oui, nous devons changer de système. Et pour cela, il va nous falloir du courage. Je vous propose que nous en ayons tous et toutes ensemble. Je sais que parmi les militants écologistes que vous êtes, nombre d'entre vous se sont battus contre des systèmes. Je sais qu'il y en a qui ont fait des grèves de la faim contre les incinérateurs, d'autres qui se sont enchaînés à des arbres, d'autres encore qui ont lutté contre tout, contre vents et marées, contre toutes les opinions et le soi-disant bon sens, contre des projets qui menaçaient l'environnement. Je sais que vous êtes comme moi, résistants et résistantes. Alors je vous propose qu'on se lève, qu'on ose et qu'on y aille. Oui, une femme peut être présidente de la République. Oui, on peut porter une radicalité environnementale. Oui, nous devons le faire. Allons-y.
Alors maintenant, je vais appeler sur scène. Maintenant, je vais appeler sur scène une partie de l'équipe parce que je ne travaille pas seule. Et mon équipe est assez formidable puisque, comme vous le savez, nous n'avons pas d'argent. Pas de mandat, pas d'argent. Nous n'avons pas non plus de personnel salarié. Nous n'avons que des bénévoles. Et parmi ces bénévoles, je n'en connaissais pas 2% avant de me lancer dans cette primaire. Et parmi ces bénévoles, eh bien, il y a des gens qui, depuis des années, n'allaient plus voter. Il y a 70% de l'équipe qui était tout à fait hors parti des écologistes. Je vous propose d'en accueillir au moins 3 sur cette scène dans un premier temps. Il s'agit de Thomas Porte, de Solène Ducréto et de Clémentine Renaud. Je vous propose que l'on passe aux questions. Et maintenant, vous connaissez tous ma taille. La prochaine fois, je donne mon poids. Est-ce qu'il y a des questions? Vous adhérez à 100%? Ah non, il y en a une. Non, non, non. Remontez. Ça va très bien. Très, très bien. Vas-y, vas-y. Ok, je réponds à votre question juste avant. Je vous ai dit les noms, mais je les ai pas présentés. Je vous propose qu'on leur donne quand même un tout petit temps pour qu'ils se présentent. Donc, qui commence? Solène, vas-y. C'est moi, je crois. Mais en fait, j'ai plein de micros dessous, vous voyez pas, mais je suis couverte de micros, donc je pense que... Ça marche pas? Non. Bah, parle. Alors, je peux parler comme ça? Allô? Oui, ça fonctionne. Alors, je ne vais pas perdre de temps. Je pense que la grande majorité d'entre vous ne me connaissent pas encore. C'est normal, je ne suis pas en politique. Je m'appelle Solène Ducréto, je suis militante écoféministe. J'ai monté l'association Les Engraineuses et tout récemment l'association Les Volontaires, qui sont des associations qui sensibilisent au développement de l'écoféminisme en France. Je faisais partie des personnes qui, il n'y a pas si longtemps que ça, ne votaient pas et ne s'intéressaient pas vraiment en fait, à la politique parce que peu de confiance, peu de rôle modèle et encore moins féminin. Et la candidature de Sandrine m'a fait vaciller. Avoir une personnalité qui a du courage, comme elle l'a, en tant que femme, moi, je trouve ça inspirant. Et c'est de ça dont j'ai envie. Je ne savais pas qu'elle allait dire ça. Je pense qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus de choses que ça. Donc, je préfère laisser la parole aux autres. Je m'appelle Thomas Porte et je suis membre de la direction de Génération et je suis aussi un ancien cheminot et syndicaliste à la CGT. Et pour moi, Sandrine, c'est une belle découverte. Je ne la connaissais pas avant cette primaire-là. On a beaucoup discuté et échangé et elle l'a rappelé dans son discours. On est aujourd'hui dans une urgence qui fait qu'on a besoin de radicalité environnementale, de radicalité sociale et aussi de rassemblement et d'avoir une personne qui soit prête à affronter les situations qu'on aura en face, et notamment les lobbies qui sont aujourd'hui ultra puissants, qui font la pluie et le beau temps, et qui imposent de vivre dans la société de merde dans laquelle on vit aujourd'hui. On a besoin d'avoir une candidate et une présidente qui ne cède pas face aux syndicats de flics fachos, qui ne recule pas face au lobby de la moto, qui ne cède pas face au lobby de la route, qui mène des politiques publiques, qui place au cœur de ses priorités l'intérêt général et qui met à bas ce système qui crée des inégalités qui sont aujourd'hui inacceptables, où on a des gens qui crèvent de faim, alors qu'on voit qu'aujourd'hui, les 40 patrons français
vont toucher 5,3 millions d'euros de salaire avec une augmentation de 40% en 2021, alors que la crise économique frappe ce pays. Et je crois que Sandrine, elle a cette qualité-là, c'est de dire et d'assumer les choses et d'aller jusqu'au bout et de ne céder sur aucune pression parce qu'elle est convaincue de ce qu'elle porte. Et c'est aussi pour ça que je l'ai rejoint, parce qu'on a besoin de cette sensibilité-là, de cette justice et surtout de cette sincérité qui a si manqué en politique et qui aujourd'hui est incarnée à merveille par Sandrine. Donc c'est avec plaisir que j'ai accepté de la rejoindre et que je pense qu'elle sera une excellente présidente de la République. Bonjour, je suis Clémentine Renaud, je suis membre d'Europe Écologie Les Verts à Toulouse, le pays de la chocolatine. En 2017... On a perdu la moitié de la primaire, là, non. Alors moi, j'aime beaucoup les pains au chocolat, je dois le dire. Quand j'avais 18 ans, j'étais très contente quand j'ai eu ma carte d'électeur. J'ai toujours voté avec plaisir, conviction. En 2017... Je n'avais pas le choix, c'était voter contre. Et je me suis dit, quand est-ce qu'on va retrouver une candidature qui te donne envie, pour qui tu as envie de te battre, que tu as envie de voir mener un État, que tu as envie de voir travailler à l'international, qui soit passionné, mais qui ne sorte pas du haras, des vieilles politiques, de père en fils, d'école, tout ça, tout ça. Et en septembre 2020, on m'a appelé en me disant, il y a Sandrine Rousseau. Et là, ça fait bim, j'ai dit, oula. Ça fait du bien, ça. Je me suis dit, je ne suis pas allée du coup en me disant oui, c'est une femme féministe, agression sexuelle. Je suis allée au-delà de ça. J'ai regardé la personne, j'ai dit c'est une femme qui est à la fois économiste, parce que généralement, nous, on nous dit les EELV, c'est les pâquerettes, les vélos et tout ça. J'ai dit oui, il n'y a pas que ça. On a des gens qui sont capables de tenir des projets régaliens. Et voilà le mot qu'il faut dire, régalien. On est capable, on peut le faire. Et on a la personne pour. Et en plus de ça, j'ai aimé qu'elle n'ait pas peur de pleurer devant une caméra. Parce que c'est un être humain et on a tous besoin d'humanité pour pouvoir être un bon dirigeant, une bonne dirigeante. Merci Sandrine et je suis très fière de la soutenir. Il y avait une question sur l'Europe fédérale. Donc en fait, pour aller vers le fédéralisme, il nous faut modifier la... Alors, femme et fédéralisme, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Il nous faut trouver les moyens de changer les traités européens et de faire en sorte que l'on aille vers une Europe qui soit plus fédérale. Et pour cela, la chose qui nous manque aujourd'hui, c'est la question des alliances en Europe. Parce que certes, au Parlement européen, les alliances se font, et merci à nos élus de le faire. Mais au niveau de la Commission, ça n'est pas vrai. Et au niveau des décisions finales, ça n'est jamais vrai. Aujourd'hui, on a été enfermés dans un couple France-Allemagne. Si la chancelière devient écologiste, nous pourrons nous appuyer sur elle. Mais nous pouvons aussi aller chercher d'autres côtés de l'Europe, les moyens de transformer cette Europe. Oui, nous avons besoin d'une Europe fédérale. Oui, nous avons besoin de renforcer aussi l'Europe sur son budget, puisque aujourd'hui, elle n'a pas de budget propre et que pour la première fois, les budgets ont été diminués, en tous les cas sur certaines parties de ce budget, notamment Erasmus, mais sur la totalité aussi. Et donc, les budgets européens ont été diminués. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de 36 solutions. Les États se constituent, les États progressent, les États se renforcent dès lors qu'ils ont des recettes fiscales pour adresser et pour orienter les dépenses. Eh bien, c'est ce qui manque à l'Europe. Elle n'a pas de budget propre aujourd'hui. Parmi les budgets que je vous ai proposés tout à l'heure, il y a la question de la taxe sur les transactions financières qui pourrait être un des premiers budgets permettant d'allouer des recettes. Et puis, si on met le carbone à 200 euros, eh bien, partageons ce carbone entre les États et l'Europe, de sorte que l'Europe ait un budget et que, du coup, elle ait une politique. Alors, on me demande si mon gouvernement est déjà fait. Alors, je rassure mes adversaires dans la primaire, pas encore. Ouais.
et il y aura de la place pour tout le monde. Et donc, comment nous faisons dans un gouvernement pour... Parce que je pense que derrière la question du gouvernement, il y avait la question des alliances, j'imagine. Voilà. Et moi, je vais vous dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, l'écologie est une force à la fois modernisatrice et une force fédératrice de la gauche. Je n'ai pas peur de dire que oui, je suis de gauche. Mais d'ailleurs, je pense que ça s'est un peu entendu. Et moi, j'ai envie de vous dire, pour moi, la question des alliances, elle est assez simple, en fait, c'est que je voudrais qu'on parle avec nos partenaires à gauche et qu'on pose cette question toute simple. Le jour où on décidera de sortir des pesticides et des engrais chimiques en 5 ans, qui nous suit ? Qui tient ? Est-ce que à la première manif de la FNSEA, vous allez nous lâcher ? Est-ce que la première année, puis la deuxième année de gouvernement, il faudra se mettre d'accord pour savoir si on arrête le contrôle aux faciès ? Ben non. En fait, on a un projet. Ce projet, c'est celui que je viens de vous présenter, c'est celui que je porte. Et on a 5 ans pour agir, nous a dit le GIEC. Le GIEC nous a dit, en matière d'action publique, dans le dernier rapport qui vient de sortir, nous avons 5 ans. Donc en fait, nous n'avons pas le temps de négocier avec nos propres partenaires. Et donc, la question, la seule question qu'il y aura à poser juste après la primaire, c'est de dire qui est capable de nous suivre. Et dès lors que vous êtes capable de nous suivre, alors venez, vous êtes les bienvenus. C'est une question ? Qu'est-ce qui fait chaud ? Oui, vous n'avez pas beaucoup parlé de la jeunesse, là, globalement. Non, mais vous avez raison. Et c'est vrai que là, depuis le début du gouvernement Macron, on se retrouve quand même dans une situation où la jeunesse, elle est de plus en plus précarisée. Et la crise sanitaire, elle a fait que le mettre en lumière. Et du coup, j'aimerais bien avoir votre position par rapport à la jeunesse sur votre programme. Alors la jeunesse, vous savez que je suis vice-présidente d'université. Et donc, des jeunes, j'en côtoie, et des jeunes en précarité, j'en côtoie. Je ne les vois pas tous, hein, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas à l'université et qui sont probablement dans des situations encore pires. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement Macron nous a fait... Enfin, le gouvernement Castex, Édouard Philippe, enfin, finalement, eux, quoi. Ils nous ont fait, ils ont fait des économies budgétaires sur les APL des étudiants. Sur les APL des étudiants. Après un an et demi où les étudiants ont été privés de cours en physique, après un an et demi où pour la première fois de toute notre histoire, y compris pendant la guerre, les universités ont fermé. Jamais ça ne s'est produit. Jamais on a privilégié des centres commerciaux à l'université. Jamais on a privilégié les commerces à l'école. Jamais, jamais, jamais. Et après ça, que fait le gouvernement ? Il baisse les APL. Il fait les droits différenciés. Droits différenciés, c'est un truc... Ça s'appelle Bienvenue en France. Alors, je vous explique, c'est le concept. C'est que c'est pour les étudiants hors Europe. Donc, ils doivent adhérer au programme qui s'appelle Bienvenue en France. Et le concept d'être Bienvenue en France, c'est au lieu d'avoir la gratuité de l'enseignement supérieur, même si ce n'est pas complètement gratuit, mais enfin, globalement, eh bien, ils doivent payer 3 500 € pour s'inscrire à l'université française. Bienvenue en France. Donc sur la jeunesse, eh bien c'est simple, on ouvre le revenu d'existence à partir de 18 ans. On ouvre le revenu d'existence à partir de 18 ans. On investit dans l'école et on investit massivement dans l'école. On investit aussi dans une modification de la manière dont elle fonctionne pour sortir... je sais que les profs ne vont pas aimer, mais je suis prof, d'accord, donc d'une forme de reproduction sociale. Pour aller vers une école inclusive. Donc voilà, et pour la jeunesse, il y a aussi la question du logement. Il y a plein d'autres questions, mais notamment celle du logement. Et dans le sous-investissement de l'État, il y a la question des logements non seulement réellement sociaux, mais en plus réellement de qualité. J'arrête. Oui, pardon. Il y avait une question là, et après j'ai entendu une question. Elles sont là, les questions. Je suis pas sûr.
Deux questions. Pour reprendre un mantra d'un ancien président de la République, toi, présidente, demain, quelles sont tes trois premières mesures en matière de santé, en santé publique, en santé communautaire? Et ma deuxième question, c'est l'INSERM a rendu en mai 2021 un rapport positif sur les salles de consommation à moindre risque pour les consommateurs, consommatrices de produits psychoactifs, notamment par injection. Actuellement, il en existe deux en France, une à Paris, une à Strasbourg. Toi, présidente, combien on peut espérer de salles de consommation à moindre risque? Est-ce que tu es favorable aux salles de consommation à moindre risque? Est-ce qu'on peut voir ce genre de dispositif un peu essaimé partout en France? Merci. Alors ta question, elle est large parce qu'en fait, on n'y répond pas facilement. Ce que je peux te dire, c'est que tu parlais de la santé communautaire. C'est quand même ce qui nous a cruellement fait défaut dans la gestion du Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on met un pass sanitaire pour se donner bonne conscience et pour que les ministres ne soient pas attaqués en justice. Mais la réalité, c'est que les personnes qui ne sont pas vaccinées sont essentiellement des personnes qui viennent des milieux les plus pauvres, les plus précarisés, et que quand on n'a pas de papier, eh ben, c'est pas facile d'aller dans un centre de vaccination. Quand on n'a pas d'ordinateur, c'est pas facile d'aller dans un centre de vaccination. Et je vais même aller au-delà. Quand on n'a pas de beaux vêtements, eh ben, c'est pas si simple que ça d'aller dans un centre de vaccination où on ne sait pas qui on va rencontrer. Et le pass sanitaire, la réalité, c'est que c'est une violence sociale. Alors, donc la médecine communautaire, c'est de se rapprocher le plus possible des communautés, précisément avec des personnes qui leur ressemblent, dans le cadre d'un effet miroir, afin que les personnes se soignent davantage et aient davantage accès aux soins. Ça s'est fait au moment de l'explosion de l'épidémie de sida et du VIH. Et je pense que ce qui nous manque aujourd'hui en France, au nom d'un universalisme qui peut s'apparenter quand même des fois à un aveuglement, nous n'allons pas vers les plus précaires, nous ne leur parlons pas à égalité avec eux, en effet miroir avec eux et elles. Aujourd'hui, pour développer l'accès à la santé, il est absolument indispensable de développer la médecine communautaire. Je réponds sur les salles de consommation et sur la drogue. Sur les salles de consommation, oui, il nous faut des salles de consommation à moindre risque, évidemment. Combien? Je n'ai pas calculé encore ça, mais juste après la primaire, je le fais. Et sur la politique de drogue, moi je voudrais dire quand même un mot, je vais être très rapide, c'est qu'aujourd'hui on a une politique de la drogue en France qui est complètement surréaliste, qui est une politique uniquement de la répression. Je ne sais pas si vous avez suivi à un moment donné sur les réseaux sociaux, il y avait des photos postées par les policiers eux-mêmes s'enorgueillissant d'avoir pris 10 grammes de shit dans la poche d'un adolescent. C'était pas mon fils, mais ça aurait pu. Et que, en fait, c'est pas ça une politique de lutte contre les drogues. Une politique de lutte contre les drogues, c'est une politique qui prend en compte la dangerosité réelle des drogues. C'est une politique qui fait en sorte que, dès la petite enfance, et c'est ce qu'a fait l'Islande, on apprend à ne pas dépendre d'éléments extérieurs, d'addiction, pour être heureux et heureuse. Et je vous assure que l'Islande a diminué de 80% ses addictions juste en modifiant la manière dont on apprenait aux enfants à gérer leur anxiété, à gérer leurs angoisses, leurs traumatismes et à être heureux. Je pense que cette politique-là, nous ne l'avons pas fait, nous devons le faire. Et puis évidemment, il faut aussi libéraliser le cannabis. Mais évidemment aussi, il ne faut pas le libéraliser de manière sauvage. Il faut que les personnes à qui ça profite aujourd'hui puissent trouver avantage à cette politique de libéralisation. Et il faut que la santé publique, nous, eh bien nous puissions aussi, comme sur la cigarette, comme sur l'alcool, prélever de la fiscalité sur le cannabis, parce que ça nous donnera aussi une autre ressource de financement. Je rappelle que juste l'alcool, c'est 50 milliards d'euros. Vous parliez d'hôpital tout à l'heure et du problème de la T2A qui effectivement restreint beaucoup en fait les effectifs et aussi les équipements à l'hôpital. Pensez-vous revenir à une dotation globale ou avez-vous d'autres solutions à proposer? C'est la dotation globale. Bien sûr que c'est la dotation globale. C'est la dotation globale avec un contrat d'objectifs et de moyens. Mais ce n'est pas la tarification à l'acte. Pourquoi ce n'est pas la tarification à l'acte? Parce que quand on rentre à l'hôpital, eh bien la question n'est pas une inflation des actes, ou n'est pas le remboursement de tel acte plutôt que tel autre acte. Quand on arrive à l'hôpital, on doit être pris en charge complètement, quelle que soit notre pathologie. Et pour cela, il nous faut des dotations globales. Et s'il n'y en a pas assez à la fin de l'année, eh bien on renégocie entre les hôpitaux et l'État. Mais on ne peut pas aller dans quelque chose qui est une forme de libéralisme
qui noyaute cet hôpital. Aujourd'hui, la tarification à l'acte dans un hôpital public n'a pas de sens. Bonjour. Ah, mais vous êtes tous là, en fait, maintenant. Ouais, d'accord. Oui. Vous assumez une radicalité sur le plan environnemental et vous dites n'avoir pas peur des mots. Alors, je voudrais savoir votre positionnement par rapport à la question animale. Est-ce que vous assumez une radicalité sur le plan animal? Et quelles propositions concrètes proposez-vous sur la question animale? Merci. Alors, sur la question animale, il y a plusieurs choses. Il y a déjà la question de l'élevage animal. Et là, on est au Moyen-Âge en France. Enfin, non, on n'est pas au Moyen-Âge. On est dans une agriculture et dans un élevage intensif, indigne, immonde. Ça, il n'y a pas de sujet, il faut en sortir. La deuxième chose, c'est que sur la question animale, et je vous parle en tant que chercheuse, il y a aussi des questions autour de l'expérimentation des animaux dans les laboratoires de recherche. Et ça, on a absolument l'obligation, la nécessité de revoir les conditions dans lesquelles les animaux sont expérimentés ou font l'objet d'expérimentations dans les laboratoires de recherche. Parce qu'aujourd'hui, ces laboratoires ont certes une commission éthique, mais elle n'est pas suffisante, elle n'est pas assez indépendante. Donc oui, nous devons aussi nous attaquer à ce sujet-là. Ça n'est pas un sujet simple, parce que je peux vous dire que les chercheurs et chercheuses sont vent debout contre toute réforme de l'expérimentation animale. Et puis, la dernière toute petite chose, c'est que moi, j'aime beaucoup l'idée, alors peut-être ça va vous faire rire, mais en fait, j'aime beaucoup l'idée d'un code d'utilisation des animaux à des fins de travail. C'est-à-dire qu'on régule aussi la manière, le nombre d'heures dont les chevaux sont utilisés dans les calèches, dont les animaux sont utilisés dans les activités touristiques et ailleurs, y compris dans l'agriculture d'ailleurs, si on veut remettre le cheval de trait. Voilà, ça prendra le temps qu'il faudra, mais il va falloir qu'on arrive quand même à respecter tous les animaux, quels qu'ils soient. C'est fini ? On me dit que c'est terminé. Donc je voudrais juste vous remercier très chaleureusement et vous dire que l'écologie, c'est quand même l'impertinence. C'est la capacité à porter des idées nouvelles au pouvoir. C'est la capacité d'être en avance sur les idées. Aujourd'hui, je crois que nous ne sommes pas en avance par rapport à la société civile. Nous sommes juste en avance par rapport à un système politique sclérosé. Déverrouillons-le ensemble. On en est capable. Allons-y. L'équipe. À très vite. Pardon ? Alors là, vous les avez vus pendant toutes les journées d'été, ils ont des foulards à pois rouges, des parapluies à pois rouges, des masques à pois rouges. C'est toute l'équipe, ils ont des badges parfois à pois rouges tellement on n'avait plus assez de tissus. Eh bien voilà, je voudrais vraiment les remercier très très chaleureusement parce que je vous assure que c'est une équipe de fous. C'est une équipe qui sait pourquoi elle est là, qui me porte de manière incroyable. Merci à vous.